j'apprécie vraiment ce cadeau. Je dis seulement merci. Je veux encourager mes frères à étudier et à bien travailler pour ici. Je suis simplement heureuse. J'ai simplement étudié sur les cours. Le collège Sainte-Famille a pour coutume de faire un bilan en fin d'année scolaire, de primer les meilleurs de ses élèves afin d'encourager les autres qui n'ont pas pu briller cette année de mieux faire l'année prochaine. Il y a eu des hauts et puis des bas. Voilà, mais nous retenons seulement que le collège Sainte-Famille a été une école résiliente. L'école même est en chantier. Nous sommes en train de terminer là des bâtiments pour l'enseignement professionnel. Nous avons déjà l'enseignement technique. Et après l'enseignement professionnel, nous comptons bien attaquer le volet primaire et maternel. Voilà, il faut dire que le collège Sainte-Famille, à travers notre cérémonie, notre parrain, nous ne l'avons pas pioché au hasard, surtout à cause de son institution. Parce que ici, nous avons, certes, nous travaillons pour l'excellence des enfants, mais les enfants, il y a beaucoup ici qui ont du talent artistique. Donc nous prévoyons également ouvrir notre école dans ce sens-là, ouvrir une lucarne, permettre à ces enfants qui ont ce talent-là, dans cette petite ville de Tahabola, de bénéficier des mêmes avantages que ceux de la capitale. Nous sommes confiants vis-à-vis des notes et puis des performances de nos enfants. Nous, malgré cela, nous avons encore des séances de préparation, des examens, notamment pour le baccalauréat qui va même débuter le lundi prochain. Sur près de 3 semaines, les enfants vont passer ces moments-là à se préparer afin d'affronter leurs examens de fin d'année.